Les gens, alors aujourd'hui on fait une vidéo, c'est les différents types de profs. Alors, différents types de profs. Alors, numéro 1, il y a le prof sévère. C'est ce genre de prof que tout le monde va détester. Et qui aussi, à peine tu demandes un truc, à peine tu demandes un truc à celui qui est à côté de toi, va te dire. T'as parlé, carnet. Puis tu vas répondre, non mais je demandais juste sa colle, son papier, machin. Puis il va te dire, t'as qu'à avoir tes affaires. Et si tu réponds, tu sais quoi, je te mets carrément une heure de colle, ça va plus vite. Tu le dis? Non, c'est bon. Voilà. Donc ce prof est totalement chiant. Après, il y a le prof cool. Mais super cool. Qui va dire, bon, aujourd'hui les enfants, on va regarder un film. Mais voilà, enfin, après, demain on travaille, hein. Mais après, le lendemain, il va dire, bon, le film, il va te mettre la suite, quoi. Enfin, voilà, il va te mettre. Moi, ce prof-là, il va te mettre la suite parce qu'en fait, c'est juste. Il est super cool. C'est juste un. Il est super feignant et c'est ça qu'on aime, en fait. Ne pas travailler. C'est ça, c'est bien quoi. Ne pas travailler, c'est. Voilà. Après, t'as le prof qui a un tic. Mais. Voilà. Qui a toujours ce tic. Qui a. En fait, c'est le prof qui, à chaque fois qu'il a fini sa phrase, va dire le même mot. Il va prononcer le même mot. Par exemple, il va dire. Vous copiez la leçon, hein? Voilà, il dit un. Puis après, il dit interro surprise, hein? Voilà. Mais en fait, à chaque fin de ses phrases, ouais, il va dire ce mot. Voilà. C'est une obligation pour lui, en fait. Dire ce mot. T'as le prof qui fait une faute d'orthographe. Donc qui va. T'as le prof qui va écrire ça, en fait. Alors, il va écrire. Je vais quand même vous dire parce que je sais pas si. Bref, je pense que vous avez pas vu. Donc il va écrire le chat court, mais il va écrire court avec un S. Donc forcément, t'as envie de dire, monsieur, vous avez fait une faute. Ah oui, mais c'était pour voir si vous aviez vu. Moi, en tant que professeur de français, je ne fais pas de faute d'orthographe. Ce serait une erreur très grave, hein, de faire une faute d'orthographe pour moi. Voilà. Puis pour finir, il y a le prof qui donne trop de devoirs. Monsieur, on a quoi à faire comme devoir pour demain? Alors, le 1, 2, 3, 4, 5, 6, page 210. C'est un petit peu. C'est beaucoup. Voilà. C'est. Beaucoup. Bon, sinon, cette vidéo est déjà terminée. Moi, je vous dis salut et à la prochaine. Peace.